Eh bien, on est content, on est sur Radioactivité. Je suis au téléphone aujourd'hui avec Pierre Jovanovic. J'espère qu'il m'entend. Je vous Bonjour! entends très bien. Bonjour à vous. Comment ça va? Bah écoutez, très bien, Eh bien, juste avant les parfait. vacances. On est content de vous avoir avec nous sur Radioactivité, Pierre. Je rappelle Pierre Jovanovic. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est directeur de la maison d'édition Le Jardin des Livres à Paris. Il est l'auteur de nombreux essais publiés par sa maison d'édition Le Jardin des Livres. Et je précise que Pierre est principalement intéressé par des ouvrages de spiritualité ou de religion, des récits d'histoire. Et on se souvient tous, hein, de l'enquête sur l'existence des anges gardiens, un best-seller. Aussi, ces reportages critiques ont pour objectif de démontrer les mécanismes des compagnies financières et de dévoiler les manipulations et les faux-semblants dans le domaine de la finance et des banques. Donc, on va rappeler aussi Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets. Alors aujourd'hui, on est avec Pierre Jovanovic pour parler du Serviteur du prophète, un superbe ouvrage de Mika Waltari, donc un livre d'aventure très très intéressant, n'est-ce pas, Pierre? Car il évoque dans son ouvrage l'islam, la guerre entre chrétiens et musulmans. Et voilà, donc un magnifique voyage que nous fait vivre Mika, voilà, avec une fresque historique où chaque détail de l'islam est important et rigoureusement exact. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. C'est l'un des plus beaux livres de Mika Waltari. Alors, il faut rappeler qui est Waltari. Il est considéré, si vous voulez, comme le Victor Hugo de la Finlande. Donc, c'est leur grand écrivain à eux. Oui. Et c'était un surdoué dans le sens où il était ambidextre. Hein, c'était un finnois. Oui. Et alors, vous savez que le finnois, c'est une langue un peu bizarre. C'est une langue, ce qu'on appelle finno-ougrienne. C'est-à-dire que c'est une relation, si vous voulez, avec le basque, le finnois, bien sûr, et le hongrois. Hein, voilà. Et on a découvert très récemment, si vous voulez, que d'abord, c'est une des langues les plus complexes au monde. Et surtout, on a découvert récemment, si vous voulez, que le finnois, en fait, était l'ancien sumérien. Donc, déjà, on est en plein mystère, là, du coup. D'accord, oui. Voilà. Et comme la Finlande avait, à l'époque où il écrivait, il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, parce qu'il a commencé à écrire dans les années 50. Et donc, en fait, de par ses qualités, si je peux dire, intellectuelles, et surtout du fait qu'il était ambidextre, chaque fois qu'il écrivait une page, donc avec la main gauche, il écrivait en finnois, et Oui. avec la main droite, il écrivait en suédois. Oh. Parce que ces livres devaient être publiés en même temps en Suède, parce qu'en Suède, il y avait beaucoup plus de lecteurs qu'en Finlande. Voilà. Ah ouais, incroyable. Tout à fait. Sachez que même aujourd'hui, la Finlande est l'un des pays qui lit le plus au monde. Voilà. Alors j'ai mon chat qui vient vous dire bonjour, hein, là, elle est en train de tourner autour du C'est téléphone. vrai? Donc, Ah, oui, il elle aime sent les beaucoup bonnes ondes. téléphoner. Ouais, voilà, elle sent les bonnes ondes. Voilà, elle aime beaucoup téléphoner. Superbe. Alors, Pierre, dans ce livre, que des aventures rocambolesques, hein, et improbables de ce héros Michael, qui est donc au XVIe siècle, là, en pleine Turquie, en plein empire ottoman. Oui, alors c'est ça qui est extraordinaire avec ce livre, c'est comment dire, il se déroule bien entendu au XVIIIe siècle, hein, et il aborde un sujet, si vous voulez, dont on n'a pas le droit de parler, c'est-à-dire l'esclavage par les pays du Maghreb. Oui. Parce qu'on oublie trop souvent, on accuse, vous savez, on accuse les Français, les villes de Nantes, de Bordeaux, etc., de s'être enrichis sur l'esclavage. Vous savez, c'est le Oui. mouvement woke actuel, alors qu'à l'époque, ça leur paraissait tout à fait normal, et pas qu'en France d'ailleurs, en Hollande, aux États-Unis, et d'ailleurs pareil au Portugal, Espagne, et ainsi de suite. Et on oublie, on a beaucoup de reproches de la population maghrébine en disant oui, les Français sont esclavagistes. Pas non, pas que, puisque effectivement toute la côte algérienne, tunisienne, etc. En fait, ils étaient habitués, si vous voulez, à attaquer les bateaux et soit les gens se convertissaient à l'islam, soit on leur coupait la tête. Ah ouais, Voilà. carrément, il n'y avait pas d'alternative. Non, il n'y avait pas vraiment d'alternative. Voilà. Et là, on est en compagnie d'un héros, parce que Mika Waltari prend toujours des anti-héros, c'est-à-dire c'est un personnage secondaire qui rencontre tous les personnages historiques, ce qui lui permet de lier le tout et d'avoir des romans. Alors, c'est toujours des romans de 600 pages, hein, vous savez, Bien sûr. n'oubliez pas, Mika Waltari, c'est l'auteur quand même du best-seller absolu mondial qui s'appelle Sinoué l'Égyptien. Oui. Il y a également L'Étrusque.
il y a l'Escolier de Dieu. Oui. Enfin voilà, il a 5-6 romans comme ça, dont la majorité, je crois que la quasi-totalité est au Jardin des Livres. Et ce sont des pavés de 600 pages. Et quand vous voulez commencer, vous ne pouvez plus vous arrêter de c'est lire. Clair, c'est clair. Ça, c'est vraiment les grands écrivains. Ouais. Mais on a l'impression de replonger. On a l'impression vraiment de vivre l'époque là. Et c'est tellement bien écrit avec des détails incroyables que on a l'impression de vivre vraiment chaque période. Tout à fait. Et donc là, on a deux choses. On a ce personnage central qui décide effectivement de se convertir à l'islam plutôt que de voir sa tête rouler sur le bateau c'est et ensuite clair. Finir dans la Méditerranée. Oui. Parce que donc il a été pris par des pirates maghrébins. D'ailleurs, on le voit, si vous voulez, dans un grand film que tout le monde connaît, La Folie des Grandeurs, vous savez, avec Louis de Funès et Yves Montand. Vous savez, à la fin, ça se termine au barbaresque. Ouais, vous voyez c'est vrai. Les blancs, oui, absolument, où les blancs sont esclaves, en fait, des maghrébins. Et donc là, il est pris par ce qu'on appelle des Turcs, hein, aujourd'hui, mais qui à l'époque était l'Empire Ottoman. Oui. Et donc c'est l'évolution progressive, si vous voulez, d'un esclave catholique, très attaché à la Vierge. Et on le voit évoluer progressivement dans Istanbul de l'époque, de découvrir la cour de l'Empire Ottoman qui est menée par un eunuque, enfin qui est surtout menée par un groupe d'eunuques, et bien entendu dans le gynécée, c'est-à-dire avec 3000, je sais pas combien, ou 300 femmes qui vivent ensemble en attendant d'être choisies pour la nuit, hein, pour le sultan, pour le dirigeant. En attendant d'être fécondées. Exactement. Et c'est absolument merveilleux. Pour qui connaît la Turquie, pour qui connaît Istanbul, oui. Je peux vous dire, moi je suis tombé amoureux de la ville d'Istanbul telle qu'elle est aujourd'hui. Oui. Ce livre est une pure merveille. Je veux dire, ça fait partie des livres, si vous voulez, que vous ne lâchez pas. Oui, c'est vrai. Vous pouvez passer 4 jours, chaque fois une semaine, à le lire, à tourner les pages les unes après les autres sans que vous vous rendiez compte. C'est une des raisons, si vous voulez, c'est l'une des grandes qualités de Mika Waltari, qui d'ailleurs avait des prédispositions, si vous voulez. Moi, j'avais beaucoup discuté à l'époque avec son éditrice, qui est décédée depuis, qui m'avait expliqué, si vous voulez, qu'il avait ce talent absolument incroyable. Il prenait une pièce d'argent ou d'or de l'époque dans laquelle se trouvait son roman, hein, son livre, et il fermait les yeux, et d'un seul coup, eh bien, il partait il avait des images, des parfums de l'époque qui s'affichaient dans sa tête. Ah oui? Ah oui, alors ça porte un nom, hein, c'est très connu. D'accord. Vous aviez une médium, une voyante, entre guillemets, très célèbre, parce que le Nouvel Observateur lui avait consacré plusieurs grands portraits, qui s'appelait Yagel Didier, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Non. Dans les années 90-2000, qui on avait donné, c'était José Talia du Nouvel Observateur, qui lui avait donné des enveloppes scellées dans lequel il y avait le nom d'un personnage ou d'un lieu historique, etc. Et donc, sans ouvrir l'enveloppe, juste en fermant les yeux, elle était capable, si vous voulez, de dire ce qu'elle voyait dans sa tête et de décrire effectivement la personne ou les lieux avec une précision historique hallucinante. Ah oui. Et même des précisions historiques que les historiens ne connaissaient pas. C'est ça qui est quand même tout à fait extraordinaire. Ah oui, et Mika Waltari avait ce talent. Ah oui. D'où, si vous voulez, le génie, si vous voulez, de ses livres. Et je précise, si vous voulez, qu'un écrivain est grand. D'abord, n'oubliez pas, c'est le public qui attribue le titre d'écrivain, véritablement. Oui. Puisque ses livres sont publiés maintenant depuis 50 ans, 60 ans. Oui, c'est ça, 60 ans. Et quand un écrivain, si vous voulez, est republié chaque année, d'année en année, et ça fait maintenant 60 ans qu'il est publié, eh bien, c'est un très, très, très grand écrivain. C'est l'écrivain de cœur, c'est ce qu'on appelle. En tout cas, bien sûr. C'est mon écrivain de cœur. Ça, ah oui. Alors Pierre, on apprend beaucoup hein, dans ce livre, notamment sur les rouages de l'Empire ottoman, avec Soleiman le Magnifique, et puis son opposition aussi avec le monde chrétien. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un passage qui m'a bluffé, littéralement. À l'époque, je ne savais pas, hein, bon, parce que bien entendu, il faut être un spécialiste de l'Empire ottoman, ce que je ne suis pas. Mais je ne savais pas, si vous voulez, que les Turcs étaient remontés, avaient traversé la Hongrie et étaient arrivés jusqu'à Vienne. À Vienne, oui. Et avaient fait le siège donc de l'Autriche, de la capitale de l'Autriche. Oui. Bah moi non plus, je ne savais pas. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses avec en histoire. Les janissaires, hein. Voilà, absolument, avec les janissaires, etc. La manière dont ils menaient les combats, les franchissements des ponts, enfin, c'est tout à fait incroyable. Et donc, ils se sont quand même pris une rouste. Les Turcs, donc, au siège de Vienne. Et c'est à partir de là, paradoxalement, si vous voulez, que l'Empire ottoman a commencé à se désagréger. Hein, voilà, c'est le début. L'Empire ottoman a perdu une part de cette fameuse bataille. Ensuite, ils ont commencé à perdre d'autres parties de leur empire, par exemple la Serbie, enfin toute la Yougoslavie, etc.
Et de fil en aiguille, sans parler des mauvaises décisions qui ont été prises pendant la Première Guerre mondiale, donc les Turcs, enfin l'Empire ottoman avait pris parti pour les Allemands. Et bien entendu, à la fin de la guerre, donc les Allemands étant vaincus, les Ottomans, les Turcs étant vaincus également, eh bien l'Empire ottoman a été découpé en tranches par deux pays, par la France et l'Angleterre. Mm-hmm. Hein, voilà, il y avait Picot, un diplomate français, Picot, et par Monsieur Skine, de mémoire, hein, je vous le dis, qui était un agent des renseignements anglais, de l'Intelligence Service. Oui. Et c'est grâce à eux, ou à cause d'eux, aujourd'hui, si vous voulez, que le découpage du Liban, de la Syrie, est ce qu'il est aujourd'hui. D'accord. La guerre en Syrie, etc. Voilà, tout ça, ça s'est fait donc à la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est pour ça, si vous voulez, que le serviteur... Alors, j'aime pas le titre, hein, je vous le cache pas, le serviteur du prophète. Ça ressemble. Dès que les Français voient le prophète sur un titre ou l'islam, ils s'en foutent. Vraiment, ça les intéresse pas. Alors, ce livre réussit quand même. J'aurais dû changer le titre. On a gardé le titre original, mais on a eu tort. Mais le magnifique. On aurait dû marquer le magnifique voyage de Michael, ou je sais pas. Ou... Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, vous savez quoi? Il y a quelque chose d'assez étonnant, si vous voulez. Dans ce livre, il y a un personnage féminin qui fait penser à Marion Maréchal, Marion Maréchal Le Pen, qui porte la poisse. Hein, si vous voulez, ce que je veux dire. Ah bah oui, celle qui porte le mauvais sort. Exactement. C'est ce qui est arrivé à Zemmour. Et alors, paradoxalement, si vous voulez, c'est ce qui est drôle, si vous voulez, c'est que pendant la campagne présidentielle, j'ai eu l'occasion de faire deux trois émissions comme ça avec deux trois débats. Et j'avais expliqué, si vous voulez, que à partir du moment où Zemmour avait fait venir Marion Maréchal Le Pen, eh ben ça allait lui porter la poisse et il allait tout perdre. Et ben voilà, c'est fait. Bah oui. Et là, c'est Julia. Voilà, c'est ça. Alors, il ne faut pas tout dévoiler, hein, parce que franchement... Non, on ne va pas tout dévoiler. L'histoire... Hein, je dis à tous les auditeurs, auditrices, hein, c'est vraiment c'est le livre de plage de vacances par excellence, qui est brillant, intelligent. On apprend des choses quasiment toutes les cinq lignes. Exactement. On est dans le... je ne veux pas dire dans le fantastique, hein, parce que tout est vrai. Tout est vrai, tout à fait. Tout à fait incroyable. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui, enfin, tout ce que vous voyez dans le livre, eh bien, vous comprenez mieux... Ce qui se passe aujourd'hui. La réalité politique actuelle. Mais c'est vrai. Puisque n'oubliez pas, le père de la Turquie, donc Atatürk, oui. Quand il a remporté les batailles, d'ailleurs, c'était le seul général à avoir remporté une bataille, c'est l'équivalent de De Gaulle pour les Turcs, hein, du général De Gaulle. Oui. Il a remporté une bataille et quand il est mort, eh bien, il avait fondé la nouvelle République turque. Donc, puisque Atatürk, de la Turquie, c'est le père des Turcs, hein, voilà, Atatürk. C'est ça. Et c'est Mustafa Kemal, le général Kemal, et c'est ça qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est qu'on voit. À travers ce livre, si vous voulez, l'arrivée, la décadence d'abord, la décadence, si vous voulez, d'un empire qui est mené par des eunuques. Et ça fait un écho à ce qu'on a aujourd'hui, hein. Parce que moi, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, avec le Qatar et tout ça. Mené par des eunuques. Oui. Hein, on n'a pas besoin d'aller au Qatar, hein, ni en Turquie, hein, là c'est en France, hein. Avec tous les mouvements woke, etc., la déconstruction de l'histoire, le mouvement LGBT, la soi-disant transphobie, etc. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, pour 0,01% de la population, tout le monde doit se passionner pour les trans, les homos, les machins, etc. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. Mais, en revanche, à la lueur de ce livre, on voit très bien ce qui se passe. Oui. C'est la fin d'une civilisation, c'est la fin d'un pays, c'est la déconstruction. D'ailleurs, le terme déconstruction revient souvent. Voilà, donc, et c'est ça qui est extraordinaire avec Valtari, si vous voulez, c'est que ces livres, si vous voulez, sont des annonciateurs du futur. Et là, on y est, véritablement. C'est vrai qu'on comprend mieux exactement ce qui se passe de nos jours. Et c'est vrai que l'auteur nous fait découvrir le fonctionnement politique et sociétal du monde turc, musulman, qui est complexe, faut le dire, hein, et raffiné, cruel et plein de compassion. Et c'est vrai que pour l'époque, eh bien, c'est vraiment puissant, quoi. Ah, mais c'est ultra puissant, si vous voulez, quand vous regardez, si vous voulez, l'histoire de Soliman le Magnifique et surtout de ce qui s'est passé après, c'est quand même tout à fait étonnant. Et aujourd'hui, beaucoup de journaux, si vous voulez, ont dit que Erdogan veut absolument reconstruire, si vous voulez, l'Empire ottoman. Voilà. Oui. C'est tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, vous savez, Mika Valtari était amoureux de la Turquie, hein, il était amoureux d'Istanbul aussi, parce qu'il a écrit un autre petit livre, mais c'est un tout petit, qui raconte la chute de Constantinople, la fameuse chute de Constantinople en 1500 ou 450, je me souviens plus de la date exacte, mais de cette fameuse bataille, si vous voulez, qui a permis aux Turcs, si vous voulez, de s'emparer de Constantinople et du coup de créer Istanbul, qui est sur les deux rives, la rive asiatique et la rive européenne. Voilà, et ça aussi, c'est tout à fait extraordinaire. C'est vrai que c'est extraordinaire. Est-ce qui est extraordinaire? Non, c'est un livre vraiment puissant. C'est puissant, c'est vrai. Et d'ailleurs, la preuve, si vous voulez, parce que nous, on le publie depuis 20 ans, et depuis 20 ans, il sort. Mais oui,
C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il plaît toujours. J'ai réalisé ça, si vous voulez, parce que le Jardin des Livres, aujourd'hui, a plus de 20 ans, 21 ans ou 22 ans. Félicitations. Voilà, ça s'appelle vraiment les livres qui survivent contre tout. Et pourquoi ? Parce que c'est le public français qui le plébiscite. C'est qui plaît apparemment, puisque c'est vrai qu'on découvre les jeux du pouvoir au sein du sérial, les guerres menées par le sultan, et c'est vrai que c'est passionnant parce que c'est décrit avec force, avec exactitude, et on a envie toujours de continuer et d'en savoir plus. C'est-à-dire qu'en fait, Michel Valtari a toujours été un compas, c'est-à-dire il vous emmène, si vous voulez, quand il plante le compas, donc ça vous donne un spectre, donc avec une ouverture, on va dire, de 50, 60 ou 80 degrés, peu importe, ou 180 degrés, et donc il plante un bout du compas dans le passé, et l'autre bout du compas, eh bien, vous montre le futur. Et là, avec ce livre, avec ce roman, c'est un peu plus vrai, puisque tout ce qu'il décrit, donc à l'époque, au 18e, on le voit aujourd'hui. On le voit en marche. La décomposition de l'Empire ottoman menée par des eunuques, aujourd'hui, on voit la décomposition de la France menée par des eunuques, quelque part. Mmh. Je vous dis ça, pourquoi ? Parce que j'écoutais ce matin l'émission de Pascal Praud, et l'un de ses commentateurs a expliqué qu'il était tombé, enfin, il a eu un traumatisme crânien, près de Saint-Nazaire, et tenez-vous bien, il a attendu 14 heures aux urgences. Ouh là là ! 14 heures. Ah, et oui. Donc, et il disait, comment ce pays, comment la France en est-elle arrivée là ? Oui. Alors qu'on avait les services médicaux et hospitaliers l'un des plus efficaces au monde, où il fut un temps, il y a encore 10 ans, 15 ans, vous alliez aux urgences pour vous étiez soigné dans l'heure, quoi. Voilà. Tout à fait. Ouais, aujourd'hui, maintenant, vous devez attendre. D'ailleurs, le nombre de scandales, vous savez, il y a déjà eu 2 morts, je crois, parce qu'ils ont attendu 11 heures ou 12 heures. Oui, j'en ai entendu parler récemment. Ouais, voilà. Oui. Voilà ce que c'est, si vous voulez, un pays mené par des eunuques. Voilà. Ça, c'est chaud, hein. Alors, je ne sais pas comment ça va se terminer. Est-ce que ça va se terminer un jour ? Est-ce que ça va s'améliorer un jour ? On ne sait pas, mais... On ne sait pas, mais si on le regarde du point de vue Michel Valtari, de ce qu'il nous dit dans Le Serviteur du Prophète... Alors, je précise, hein, Le Serviteur du Prophète n'est pas un livre à la gloire de l'islam. Hein. Absolument pas. C'est vrai qu'il faut le préciser. Exactement. Il décrit, si vous voulez, le mode de fonctionnement de l'islam turc. Je précise d'ailleurs que l'islam turc est très différent de l'islam saoudien, etc. C'est très important. Complètement différent, oui. On voit bien qu'il y a une ouverture d'esprit, etc. Mais Michael, si vous voulez, finit par s'enfuir, si vous voulez, de parce qu'il est toujours fidèle à la Vierge. C'est toujours elle qui lui a permis de survivre, en fait. C'est ça qui est dingue. Bah, tant qu'on a la foi, bah voilà, il avait la foi, donc il a gardé sa foi, sa première foi, et c'est ça qui a fait en sorte qu'il a survécu et qu'on ne lui a pas tranché la tête aussi. Hein. Et on voit bien, si vous voulez, que les musulmans n'étaient pas les derniers à faire de la traite d'esclaves. Hein. Voilà, c'est ça qui c'est le début du livre, hein, précisons-le. Ouais. Hein, voilà. Et au début du livre, Pierre, il y a quand même, je ne sais pas si vous souhaitez le dire, il y a quand même une belle citation, un genre de citation ou de prose, là. Tu m'as dit un jour qu'il faut rester fidèle, c'est joli ça. Oui, tout à fait, oui, fidèle à ses convictions. À ses convictions, exactement. Et que nous, on n'est qu'un petit ver, hein, devant le Dieu éternel. Donc, on a intérêt à se tenir à carreau aussi. Bah, écoutez, moi, je sais pas, mais c'est ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que chaque destin est tout à fait unique. Et ce que nous expose Michel Valtari, si vous voulez, c'est la chute d'un empire. C'est ça qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, on assiste à la même chose. On assiste, si vous voulez, à la chute de l'empire européen, on va dire ça comme ça, de l'empire chrétien. Oui. Et ça commence, si vous voulez, par... D'ailleurs, regardez bien, si vous regardez bien, qu'ont fait les Américains. Ils ont attaqué la Serbie, oui. D'accord, pays orthodoxe, et qui utilise le cyrillique. D'accord. Ensuite, grâce à la crise financière, ils ont attaqué la Grèce, pays orthodoxe, qui utilise une forme de cyrillique. Enfin, du moins, le cyrillique est une déformation, si vous voulez, des lettres grecques. Oui. D'accord. Que s'est-il passé ensuite ? Ils ont attaqué Chypre, qui est orthodoxe, bien sûr, et qui utilise le grec, enfin, le cyrillique. Et maintenant, vous avez la guerre contre la Russie, à travers l'Ukraine, donc qui est aussi orthodoxe et qui utilise le cyrillique. Vous voyez ? Donc, en fait, c'est attaquer, si vous voulez, des pays qui n'ont pas les moyens, si vous voulez, de se défendre sur les réseaux sociaux du fait que leur écriture est différente. Ah oui, ça c'est vrai que ça pose un problème. Bah oui, parce que les gens ne peuvent pas se défendre, ne serait-ce que par les idées. Voilà. Tout à fait. En tout cas, c'est un livre qu'on conseille de lire, surtout cet été. Hein. Il est gros, il a 600 pages, mais au moins, il est excellent. Quoi. Oui, alors précisons, on a l'Étrusque, on a 5 livres de Michel Valtari. Oui. Hein, il faut aller sur le site du Jardin des Livres, hein, donc c'est lejardindeslivres.fr. Ben oui. Voilà, on peut vous retrouver aussi sur des sites connus, comme la FNAC, Amazon et tout ça. Bien sûr, il y a votre site officiel. Alors, figurez-vous que maintenant, la FNAC, si vous voulez, elle est en train de
commencé à se transformer. Les surfaces dédiées aux livres sont de plus en plus petites du fait de leur fusion avec Darty. Hein, donc oui, bientôt, parmi les livres, vous allez retrouver les lave-vaisselles. Donc c'est un peu l'idée. Voilà, donc je conseille soit effectivement il faut le commander chez votre libraire ou le commander sur le site du Jardin des Livres. Du Jardin des Livres. Et ce qui est super, c'est qu'on peut vous retrouver aussi à travers votre revue de presse sur YouTube et qu'on peut vous suivre sur Twitter aussi. Hein. Ah bah, c'est Pierre Jovanovic, hein, c'est arrobase Pierre Jovanovic en un seul mot. Et surtout sur quotidien.com, hein, sur la revue de presse. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Merci infiniment Pierre, hein, pour toutes ces précisions. Un livre qu'on va sûrement avoir dans notre valise pour cet été. On va en profiter. Merci pour votre présence et puis on se dit à très bientôt. Ben, c'est moi qui vous remercie et je garantis à tous vos auditeurs et auditrices qu'ils passeront des vacances merveilleuses avec ces livres. Avec merci infiniment. Sophie Cavaltari, l'un des plus grands écrivains mondiaux. C'est vrai, j'en doute pas. Merci infiniment. On se dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.